Marozan qui va écarter ses bienfaits sur Amel Majri dans la surface de réparation. La frappe de Majri, elle est contrée. Et ça passe au-dessus. Nouvelle alerte dans la surface de réparation de Guingampais. De championnat avec Orlando, ça remonte au mois de septembre. Pas forcément encore le rythme de la compétition. Eugénie Le Sommer en 1 contre 1. Le crochet. Et n'a pas réussi à redresser ce ballon. On sent quand même dans les intentions qu'elles essayent de tenir un peu le ballon des Guingampais. Allez, Alex Morgan qui va pouvoir centrer vers Eugénie Le Sommer. Ça revient sur Marozan. Tente sa chance, l'Allemande s'est contrée et ce sera un nouveau corner. Appel intéressant là, Morgan, la part de Morgan. Ça arrive sur Le Sommer et la voilà. L'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais, signé Eugénie Le Sommer. Passe décisive d'Alex Morgan. Oui, Alex Morgan qui fait un déplacement intelligent dans le dos de la défense guingampaise. Bien servi par Camille Abilier. Ensuite, le coup d'œil, elle lève la tête. Morgan. Marozan. Le petit coup d'œil d'Amel Majri avant de centrer. Elle a réussi à redresser ce ballon. Ça revient sur Morgan. Ouais, elle a manqué sa reprise et le ballon est contré. Ça fait 2 à 0. Le doublé avec un peu de réussite pour Eugénie Le Sommer. Oui, effectivement, on voit que dans l'intention, Alex Morgan avait vraiment l'intention de frapper au but. Elle a mis un peu trop de temps entre son contrôle poitrine et sa frappe. Du coup, elle est contrée. Et Eugénie, avec un peu de réussite, effectivement, vient mettre... Alex Morgan, c'est un double changement à venir côté lyonnais. On aura aussi la sortie de Jessuara. Et Ada Egerberg qui va se présenter dans la surface de réparation en 1 contre 1 face à Marie Gignou. Et voilà le troisième but lyonnais signé Ada Egerberg. Alors on le sentait venir depuis l'entame de cette seconde période et il intervient à la 72e minute. Ça fait 3 à 0. Mais c'est vrai que l'entrée d'Ada Egerberg, on voit qu'il y a quand même plus d'automatisme qu'avec Alex Morgan. Ses coéquipières la trouvent très facilement. Et là encore une fois, elle fait un bon appel. Elle est servie au bon. Récupération haute de la part de FPRIC, c'est bien fait, ce n'est pas cadré, si l'ouverture du score pour FPRIC qui est au départ de l'action et qui permet aux Parisiennes de mener 1-0. Ouais, là aussi je pense que le vent a aidé, FPRIC ça va lui faire du bien, elle avait été en difficulté, on l'avait vu contre Lyon, fatiguée sur sa première moitié, elle a bien récupéré. Et on la voit se projeter vers l'avant. C'est le premier but de la latérale gauche parisienne habituelle qui est aujourd'hui donc dans l'axe et au milieu de terrain. Ah, c'est malheureuse, Lydia Sambrante qui n'a fait qu'effleurer ce ballon. FPRIC qui est au départ de cette action, Malordeli comme elle l'a fait jusqu'à présent, qui joue en une touche. FPRIC sur une déviation de Véro Boquete qui continue son action. Et elle a fini très très fatiguée sur ce dernier match contre Lyon. La faute sur Sidney Blackstenius, on a dépassé l'heure de jeu, 1 but à 0 pour le Paris Saint-Germain et le coup franc à venir pour Montpellier. Là, c'est frappé, on a plongé encore une fois, un peu de réussite, l'égalisation de Sofia Jacobson, c'est le premier but encaissé par les Parisiennes et ça vient d'un coup franc frappé par Sandy Toletti, elle reprend les devants au classement de meilleure buteuse, Sofia Jacobson à partout. On l'avait dit, ça se rapprochait, un bon coup franc de Sandy Toletti qui va choisir d'aller jouer point de pénalty. On n'arrive pas à se dégager du côté de Christiane, on se contre entre elles. On vient au duel, on se contre entre parisiennes. Un ballon qui revient dans les pieds de Sofia Jacobson. Elle fait l'effort de se l'emmener vers le but, de bien contrôler, prend son temps, de la lucidité. De la présence encore une fois dans cette opération, c'est tendu, c'est frappé, tendu. Et le but inscrit par Montpellier. La première de Stylian Blachenius. C'est sa première avec Montpellier. Montpellier mène 2-1. Et on était en danger côté parisien sur tous ces coups de pied arrêtés. Sandy Toletti qui était un tout petit peu moins réussite. On a choisi, on a pris des risques. On a demandé à Marion Thorand de venir. Un ballon qu'on défend pas très bien sur le premier poteau. Et Sina Blackstenius avec son physique qui vient bien du deuxième vers le premier poteau et qui prend ce ballon au passage. Tu vas, tu vas. Allez, 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 allez.
bien battu. Allez, Gatane, allez, Gatane. Ah, ça c'est bien. Deuxième, deuxième. Gracias.